Qu'est-ce que tu veux avec la musique des gens comme ça? Aïe 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 aïe. Sometimes I just want to dance. Fine. You're right. My director is already riding my ass. I mean, I don't know how much longer it's going to be before he unloads on me. Okay. La merde, chat.
Putain, monsieur est sérieux. Ce qu'il a fait, ça a éparatiné les gens en ville, je l'aurais fait.
Mettre un peu de musique. Piqué ce matin. Yassum. Du gamin.
truck, a nigga. Lost my dog ever since. So fuck a nigga. Excuse my language, but you just a sucker, nigga. On another note, I never trust a nigga. I done tied ties with some other niggas. Found pride in my lover, nigga. Call my ass with a color, nigga. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Nas. Ça va ? Ça va. Okay. Vous êtes occupé là ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ? Bah, je venais voir parce que hier j'ai été appelé. Vous avez été appelé ? Il y a un de mes employés qui est venu ici, qui au final, il y a un des policiers qui voulait que je vienne pour expliquer la situation de je sais pas trop quoi. Qui ? Je sais plus. Comment il s'appelle ? Django ? Mickey ? Quoi ? Non mais qui est le policier qui voulait... Ah je sais pas. Non j'en sais rien du tout. Ah oui, par rapport aux motos ? Ouais. Ah oui, les motos, ouais, il y avait des motos qui suivaient les taxis. C'est Enzo. Ouais, non, c'est pas Enzo ? Mais non, c'est pas Enzo, c'est Mickey qui était... Ah oui, je me rappelle plus comment il s'appelle lui. Django. Ah oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Y'a rien à foutre, hein. Ah ouais ? Bah, y'a 2-3 cambriolages. Je suis tout seul, du coup, je peux pas y aller. Defcon 2. AMU est ouvert ou pas ? Quoi ? Ammunition. Je sais pas s'il est ouvert du tout. Non, je crois pas. Non, tu sais pas. Non, je crois pas qu'il est ouvert. Mais je vois jamais ouvert l'ammunition. Hein. Là, je l'ai vu une fois et. Je suis parti 5 minutes pour la. Je crois que pour la plainte, tu peux abandonner, hein, si tu veux avoir des infos tout de suite. En fait, c'est pas ça, c'est que si vous savez pas quel agent fait la plainte, moi je peux pas savoir. Si vous voulez, monsieur. On a dit à monsieur de venir, et puis le problème, c'est qu'il sait pas quel agent lui a dit de venir. Mm-hmm. Moi je peux rien faire. Pour une histoire de moto, ouais. C'est arrivé hier soir tard. J'étais pas loin. À 2-3 heures du mat. Un peu avant 2h, je crois. Il restait qui ? Il restait 40, peut-être 30.
Ouais, non, là comme ça de tête, je vois pas du tout. Je pense qu'il faut repasser un peu plus tard dans la soirée. Ouais, tranquille. Vous serez sûr de les avoir, à moins que tu vous aies dit de passer là. Bah, il a dit de passer de journée dans la journée en fait. Mais après, à mon avis, ils vont convoquer. Vous êtes passé dans la journée? Non. Pas du tout. C'est derrière des chenoux, mais. Tu viens de prendre ses mains, il est content. C'est de retour. Je trouve rien sur une personne convoquée au PDP ou autre. Non, j'ai checké vite fait, rien. Non, mais ça ouais, va, ça va, je rien dans la journée. Ok, ok, oh, tant pis. Qu'est-ce que je fais de... Bah, tu fais quoi, Gab? Du coup? Bah, je sais pas, bot. Ok, ok. Ouais, allez. Attends, je reviens, il faut que je réponde au commandement. Tu te rétractes vraiment ou... Oui? Ok, ok, non, c'était pour être sûr. Ouais, c'est parce que ce que j'avais convenu, donc ouais, je me rétracte. Ok. C'est pas grave. Oh, je m'en fous. De toute façon, ils ont pas besoin, hein. Ils peuvent le faire tout seuls. Oui. Mais c'est ça aussi, enfin, c'est surtout ça en fait qui m'a saoulé, donc. Oui, je l'avais senti. En fait, c'est déjà, un surplus de tout ça, donc. Clairement. Déjà, du fait que. Ouais. T'en parlais souvent. Ouais, bah oui. On en parlait de toute façon à chaque fois. Toujours le même problème. Ok, bon. Ah, moi, tant que j'ai béni pour manger, hein, ça me va. Hein. Ça, t'es pas mal. De toute façon, je me fais enculer de partout, donc. Je vais arrêter de partout. Aussi. Penche pas, hein. Aïe. Par ailleurs. Comment? Par ailleurs. Pas compris. Non, je disais qu'il ne se penche pas à Kai. Ah non, déjà je m'appelle pas Kai, mais tranquille, t'inquiète. Kai Allen. Kyle, pas Kai. Kai. Ah, tu cuis bien. Oh, hein? Je suis en train de fumer, hein. Bah voilà. Voilà. Ah bah c'est sûr, ça va pas aider. J'ai ma bouche qui pend. À force de trop fumer, faut que je bois un coup. Ok, ok. Bon bah du coup si t'as retiré le dossier, j'ai plus besoin de faire ce que j'étais en train de faire alors. Mince alors. Bah non, j'étais pas en tête. Après tu peux toujours te présenter de ton côté, hein. J'étais en train d'offrir des patates à l'agent de police qui est là. Des patates? Moi je vais des doigts, ouais. Il me fait des patates. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des traces de sang par terre. Ah d'accord. C'est ces patates. Ah ouais, ce genre des patates, ok. Ouais, des grosses patates. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller péter la gueule à Abou, toi, sur l'épicerie? Je suis en train de regarder sur Twitter. Y'a pas qu'Abou. Y'a pas qu'Abou. Ouais, y'a pas qu'Abou, j'ai écrasé 3 mecs. Et je suis venu ici présenter bah, l'état du véhicule avec les taches de sang. Et ils ont pas pris en compte, en fait, ils m'ont mis dans la salle interrogatoire, ils m'ont libéré. Ils m'ont dit, vous êtes libéré. En fait, ah bon, il n'y a pas de preuves, même avec le sang. Qu'est-ce que je veux dire? Avec les photos, et puis insultes sur agent, et etc. Ça marche pas. D'accord. Les photos de quoi? Bon, mais en fait, il n'y a rien qui marche, en fait, pour rentrer en cellule. Enfin, c'est pas ça, c'est pour rentrer en cellule, faire des vraies infractions, quoi. Et avec une preuve, avec par exemple, et puis on verra. Si Nas reste là et que je te tape, c'est bon, c'est une je preuve, ça. Je te taserai, je t'emmènerai dans la cellule, je te laisserai 10 minutes dedans et je te laisserai sortir. Voilà,
Voilà, bon, bah ok. Si tu veux un casier. T'aurais, non, mais un casier, j'en ai déjà un. Tu seras bien envers, t'aurais été mort, je t'aurais dit. Ah, mais t'as déjà un casier. Bah oui, j'ai déjà un casier. Et tu te présentais avec moi au goût. Bah, je t'ai déjà dit que j'avais un casier déjà. Tu m'avais dit qu'il avait été vidé ton casier. Bah, monsieur Bolton devait s'en occuper, mais apparemment, mon casier est toujours aussi plein. Un caille. Ah, bah c'est pour ça que la candidature elle avançait pas, ok, je comprends mieux. Non, c'est pas ça en fait. Le problème, c'est pas ça. Je pense que ça y jouait quand même. Non. Ah, je t'assure que c'était pas ça. Hein, parce que je me suis rangé entre temps. Il y a eu quand même. Oui, un mois. Ouais. Un mois. Qu'est-ce que je dis? Il y a plus que ça. Ouais. Je suis arrangé depuis exactement le 23 juillet. Exactement. Le 23 juillet, je me suis arrangé. Ah, donc tu vas te déranger, quoi, du coup. Depuis, oui. Vu que j'ai refusé la candidature, oui. Je me redérange, oui. Tout à fait compris. Bah, ils sont quand même 97% des personnes illégales dans la ville. Fraction, détention de stupéfiants. Bah, je vais être le 98. Port du masque, c'est tout. Ouais, ça, il est léger, ouais. Quasi. Et puis, 2 grammes de coke. Ouais, c'est 2 grammes de cocaïne, et fraction. Vous êtes rentré dans une maison, 2 grammes de cocaïne, ouais. Et un masque. Voilà. Franchement, pas très impressionnant votre masque. Voilà, il manque plus qu'un braquage de supérette ou bijouterie. Un petit braquage et de puis, voilà. Ah ouais, pacifique, mais tout seul, c'est pas intéressant. Bah, vous la faites, vous le soit interdit. Non, mais moi, si je dois faire quelque chose, moi, il faudrait que ça soit comme la Casa des Papels. Ah ouais. C'est qui est sorti hier soir. Ah, c'est sorti hier soir en plus. Oh, ouais. Franchement, la flemme d'aller regarder. Ah ouais. Ouais, ce matin-là, je me suis réveillé à 5h du match, je me suis fait la revoir, la nouvelle film. Je l'ai attendu. Putain. Et voilà, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est ça. La Casa des Papels, mais dans la Pacific Bank. Ça aurait pu être lourd. Trouvez-vous des complices, des otages, etc., etc. Ouais, mais sauf que ça aurait pas duré 10 minutes, moi. Ça aurait passé même 3-4 heures. Tu vois. J'aurais dû commencer à 15 heures et le finir à 18h, même 20h. Quoi. Voilà, flemme. Moi, une fois, vous serez obligé de manger sur place. Et nous donner à manger en plus. Oh non, on a aéré avec les boucliers, on vous sauterait dessus. Hein. Bah, c'est cool, hein. Débrouillez. Oh non, le winner. Ouais, je me calme. Je suis fatigué. Ah ouais, non, mais il est quand même 18h. Comment tu peux te fatiguer à ce temps-là? Oh là là. Bah, parce que moi je suis debout depuis ce matin. Je me suis bloqué depuis 4h, 4h30 du matin. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Voilà. Moi je vous laisserai gagner au pire. Moi je joue au Monopoly. Ouais. Allez, c'est parti. Tu vas le calciner ou... Puis je sais que je passerai pas par la case départ, je passerai directement en cellule. Sans toucher mon argent. Bien sûr. Je sais pas ce qu'il fout, ça me saoule. On est 4 en service là normalement. 4 ? Allez, go ! Nas, tu peux me déposer une supérette ? La plus proche ? Ouais, non. Je la sors de mon cul. Hop là ! C'est bon. Mais il a pété un plomb, lui. Hop, voilà. Hop là, il a sorti une batte devant le poste de police. Après, ça fait 2 fois quand même que je la sors. Insulte sur agent. Ah mais non mais... Putain. Salaud. Là, j'avais envie de te taser. C'est vrai. Putain. Ouais. Ah mais ça fait pas mal, ça. Le tas, ça fait pas mal. Non, ça chatouille les couilles. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ça va, t'as pas encore les muscles contractés? T'as l'habitude de te faire taser ou pas? Non, j'ai juste mes couilles qui font un peu mal. Oh là là. Ah putain. Il s'est mis carrément derrière la porte. Derrière la porte vitrée. C'est Rainer. C'est bon. Vous allez là où on peut pas rentrer, nous. Ah, mais c'est peut-être un gars du Lispy. Forcément. Enfin, je sais pas. C'est bon, je l'ouvre. Bah oui, bien sûr, je suis pas con. Non. Mais non. Mais vas-y, ça me saoule. Ok. Voilà. Putain, je voulais me poser et à chaque fois je sortais mes clés à la place de me poser tranquillement. Quel con. Là, elles sont tout ça.
intéressant. Ah, quand ça va mener l'enquête. Ah ouais, j'ai un bracelet du coup au pied. Un bracelet, c'est Billy qui me l'a donné. Ouais, il m'a offert un bracelet électronique, il m'a dit ton jugement, ça sera pour bientôt. 24 heures. Ok, attends, je vais voir ce qu'il faut de collègue parce que... Mais t'as vraiment un bracelet électronique? Ouais, c'est Billy qui me l'a offert. Mais t'as pété un câble, moi, si t'arrives. Ouais, ouais. Mais t'es... Bah en soi, ça touche pas les taxis, ça. C'est le Joker qui a laissé son empreinte sur toi, ou... Ça, c'est quoi le délire, là? Il avait laissé une bombe psychologique à retardement dans ton cerveau, c'est comment? Il y a Kenzo en service, si j'ai compris. Tu m'as dit quoi? Il y a Kenzo en service, si j'ai compris. Ah, sans faire esprit, j'appuie sur la radio. Non, mais il y a Enzo qui est en service. Yep. T'es tout seul en service, Enzo? Négatif. Ouais, il y avait Tom et Gabi là. Walker. Ouais, je suis avec Walker, je sais pas quoi. Gabi. Ok, bon, écoute. Bon, il a réussi à avoir son casier. Bah, son casier est toujours là en fait. Il a même un joli bracelet à la cheville. Ah, ça y est. Ouais, ouais, j'ai juste le bracelet. Ouais. Mais du coup, t'as quand même un casier. Bah non, tant que j'ai un bracelet, j'ai pas de casier. Si t'ont mis un bracelet, si, hein, normalement. Bah, ça va être juste marqué comme que j'ai un bracelet pendant un jugement. Eh ben. Le fameux tout ça. Ouais. Je comprendrais que tu veuilles me virer après, hein, si tu le souhaites, hein. Non, c'est toi le patron, hein. J'ai aucune raison de te virer pour l'instant. Ah. Faut faire quoi pour que tu me vires? Ah, tu veux pas rester au taxi? Bah si, mais bon... Vu que je t'ai fait faire lever du pied gauche... Hein? J'ai dit peut-être que t'en as contre moi. Non. Ah d'accord. C'est moi ou il est rentré dans ma voiture, ce con? Non, mais pas bon, je crois qu'on va bouger. Enfin, moi je vais bouger en tout cas. Yep. Tu vas te retrouver tout seul ici. Bon courage. Bon, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Ok. Allez, à plus tard. À plus tard. Je sais plus quoi dire là.
Oh, la flemme. Yo, ça va et toi? Ça va très bien. T'es à l'agence? Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, j'arrive. Vas-y, à toutes. À toutes. La peinture elle est magnifique, il me fait un beau truc au frais. Content. Pas de soucis. Ah putain, attends. Ah deux... salut Nas. Attends 30 secondes, faut que je réponde. Vas-y, bref. Vas-y. Tu m'étonnes. Allô. Si, bonne journée mon ami, comment ça va? Ça va et toi, tranquillement? Ça va, ça va. Dis-moi, alors attends, déjà je m'occupe d'un recrutement. Mais est-ce que t'es disponible après? Si, bien sûr, oui, y'a pas de soucis. Je te redis dès que j'ai fini. Ok, doc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup. Ouais, du coup, bah ça y est, j'ai plus le 8ème. Ah, t'arrêtes le poste?
Ouais, ils ont été très 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 rapides, c'est un truc de malade, hein. Ok. Enfin, pour le reprendre, ça a été la merde, mais par contre, pour le donner à quelqu'un d'autre, là, ils sont rapides, hein, c'est d'un coup. Du coup, c'est qui le nouveau patron? Il n'y a pas de nouveau patron, mais on sait très bien que ce sera Quincy Harper. Ok, je vois, je vois. Même s'il a détourné des fonds, tout ce que tu veux, enfin bref, moi, tout ça, ça me regarde plus. Ah, j'ai vu tes messages hier, t'as pété un plomb et ils t'ont tous détourné des fonds, les mecs. Ils ont tout niqué, gros, tout niqué. Je pouvais rien faire en plus. Alors, si je faisais quelque chose, vu que c'était le pote du procureur, j'aurais eu une plainte sur le cul, enfin bref. Flemme de tout ça, quoi. Donc, je me casse et puis je reviens à la case départ, comme on dit. Futur ex Patron? futur attends, comment j'avais dit, futur co-directeur, co-patron. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, viens, vas-y, on va à l'intérieur. Allez, vas-y. Et ton pote Nicolas ou je sais pas qui, il vient pas? Qui ça? Nicolas? Comment dire? Je crois que lui, alors. Je crois que lui, il repart en Russie, c'est pas sûr. Ah merde, ah, ok. Ouais, c'est pas sûr, faut que je demande confirmation. Plutôt que je lui envoie un SMS, si t'as contact avec lui, dis-lui. Attends, je vais voir. Parce qu'il voulait venir aussi bosser. Et il me semble Ouais, que... c'est ce qu'il m'a dit. En gros, il part en Russie, mais il y a son frère qui va revenir, si tu vois ce que je veux dire. Il est pareil, c'est son frère jumeau, une crème de la crème. Pareil que lui. Oula, attends, attends, on m'appelle encore. Vas-y, vas-y. Allô? Oui, bonjour Monsieur Nas. Bonjour. William Wolf. Je suis disponible à la banque si jamais vous voulez. Ok, ben, je m'occupe d'un recrutement et après vous êtes là longtemps? Pas du tout, non. Ah Je merde. suis venu un peu pour vous. Au pire, on peut pas se donner rendez-vous dans la semaine prochaine ou quelque chose à... Ah. Ah si, tout à fait. Ce serait Pourquoi mieux pas? parce que là, je vais couvrir en fait, sinon. Ouais, ok, bah pas de soucis. Donc, Dans ce cas-là. je sais pas, le week-end prochain et par exemple le dimanche à la même heure, un truc comme ça. Ah, dimanche prochain? Ah ouais, non, malheureusement, ce sera pas possible. Ah ouais? Ah merde. Ouais, non, si. Lundi, mardi ou mercredi. Lundi, mardi, mercredi qui arrive là? Ouais. Bah mercredi, ce sera parfait. Allez, super. Mercredi. Bah désolé, hein, mais là je peux pas. Non, pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Ouais, je peux pas courir partout, je peux pas me téléporter Ah, avec je m'en tout. doute. D'accord, je pourrais me dédoubler ou me téléporter, je veux bien, tu vois, mais là, non, Quel c'est pas possible. bordel. On reste des humains, quoi. Aïe, aïe, aïe. Du coup, en fait, pour ton recrutement, ça va être simple, toi, parce que j'avais déjà ton contrat avant. Ouais, Comme je les alors ai c'est moi gardés, qui. je les ai pas déchirés, tu comprends? Ah, c'est super gentil. Bon, Après, t'inquiète, je me souviens hein, de que la compta, enfin le tableur et tout. T'as rien à me réexpliquer. Va juste me redonner plutôt les accès, le ouais, c'est ça exactement le lien aussi de la compta. Mais ouais. après le reste, Bah, c'était tout bon. est tout est tout a pas changé en fait, tout est sur internet, tout est. Ok. Bah super. Et tu pourrais m'envoyer l'intranet, s'il te plaît? Je texte. Ouais, je vais t'envoyer ça. Je Envoie-moi un gère. mail, s'il te plaît. Ouais, je t'envoie ça. J'ai vu c'est ta voiture derrière. Ouais. Attends, je suis en train d'écrire un mail.
Et la boîte est tournée bien sinon, ça va? Ouais, ouais. Pas trop d'embrouille. On a 5 employés qu'on a foutu de la semaine, on est quand même à quasiment 500 000. C'est-à-dire. Putain, bien. Là, ça tombe, ça travaille. Après, je fais en sorte que... Ah, tu m'as envoyé le mail? Ouais. Je t'ai envoyé objet emploi ici pour l'intranet. Ok. Ah oui, attends, putain, le mail pour avoir accès au truc. Oui, aussi, ouais, mais attends. Ouais. Parce que je l'ai plus du coup le truc. Tiens, je t'envoie le tag. Voilà l'intranet. Hop. Allez. Ah, pas besoin, pas besoin. Alors, attends. Ah, mais carrément. Ah, mets ton nom comme les autres, tout ça, tout ça. Ouais, ouais, t'inquiète. Et après, du coup, ouais, je veux bien que tu m'envoies ton mail, comme ça j'ajoute à la compta. Allez, je t'envoie ça. Après, pour la semaine qui arrive, j'ai instauré le premier quota parce que les gens ils se foutent de ma gueule, tu vois. Dans quel sens? J'ai demandé à ce que le mec il fasse au moins 20 000 $ de CA brut par semaine. Bah, c'est normal, hein, putain, c'est pas comme si on ne pouvait pas les faire, quoi. Bah, oui, c'est rien du tout. Non, parce que les mecs me disent ouais, t'inquiète, je viens, ils viennent, ils font 5 000, puis ils s'en vont. Ouais, ouais. Si non, t'as raison. T'inquiète, de toute façon, moi, c'est clair, si c'est si je dois repartir en Russie pour une urgence, mon frère jumeau, il prendra ma place. Ok, ok, ok. J'ai un frère jumeau, t'inquiète. Ok, je vois. Enfin, on est faux frères jumeaux, c'est-à-dire qu'on se ressemble pas, mais on est frères. Ok, ouais, je vois. Qu'est-ce que c'est? Alors attends, ajouter au doc. J'ajoute au doc. Litzarium. Je crois que je fais une faute, c'est un Y, hein, c'est pas un I à la fin. Ouais, c'est un I. Attends, Bill, c'est rien. C'est un I à la fin. Et ça commence par un Y. Ah, c'est ça que j'enverse à chaque fois. Non. Attends, non, ça commence par un I, ça finit par un Y. Putain, même moi je confonds. Ok, tac. Et... Je t'ajoute sur la compta. Oh là là, putain. Comment ça fait du bien de plus avoir le weasel. Oh, je me sens libre d'esprit là. Ouais, j'imagine. Plus de... J'ai plus à me justifier, j'ai plus rien à foutre. Ah, il est trop bien. J'imagine. Alors attends. Lui, et puis ici. Ouais. Donc sur intranet des taxis, t'as accès à tout. Je regarde ça.
Alors. Déjà fait ta fiche. Mais moi je suis en train. Ouais. Donc toi t'es où? Si j'ai fait une faute d'orthographe, tu me le dis. Ouais, t'inquiète. Va falloir que tu fasses comme tout le monde, du coup, que tu mettes ton. Mets tes infos sur la compta. Sur la composition d'équipe. Yes. Comme d'hab, quoi, ça va pas changer. Tenez. Télé mon Indo. Ouais, si t'as vu, j'ai déjà créé ta fiche au niveau du. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Ah, mais j'ai mis un R en trop en fait. Tac, ça c'est corrigé. T'es où? En fait, c'est Gevorg. À chaque fois, je mets Gevorg. Ouais, c'est Gevorg, ouais. Ok. Ah, c'est sûr que de passer du Guzel à chauffeur de taxi, ça va changer. C'est beaucoup plus calme. Hein. Oh putain. À qui tu le dis? À qui tu le dis? À part que hier soir, on a eu des motocross qui nous ont un peu cassé les couilles, là. Je sais pas ce que c'était. Bizarre. Ouais, mais bon. Ça va, c'est tranquille après. Qui c'est qui est en radio? C'est moi, excuse-moi. Allez, putain, ça fait plaisir de voir ces G2. C'est propre, au moins, c'est bien fait. Faut chier, ils m'ont piqué ma caisse. Ils t'ont piqué ta caisse, t'es où? Je suis devant le comico, là. Ah, je sais pas si tu piquais sa caisse. Hop. Oh bah c'est parfait. Ah bah nickel. Bon allez. Dans une semaine, hop, je suis co-directeur. Allez nickel, merci pour le badge. Pas de soucis. Il est où mon futur bureau? Tu me l'avais montré la dernière fois, mais... Là ou là? Ok, bon, ça va, ça me va. Ouais, de préférence, je prends lui. Comme ça, j'aurai un œil sur qui c'est qui rentre. Ah, ça va, c'est parfait. Pour l'instant, ouais, souvent, je me pose sur le siège. Enfin, pas souvent, mais ça m'arrive des fois. Poser là-bas. Ouais, quand t'as la peine de monter les escaliers en haut, là.
Mais ce siège là, il est bien, hein. T'es bien ici. Quand tu te poses sur ouais, les sièges, les gens ils rentrent, ils te voient pas, ils font pas attention. C'est ça, comme ça, hop, tu peux voir qui c'est qui rentre, un scred ou quoi. Bon. Aïe aïe aïe. Du coup, je vais avoir. Faut que j'aille quelqu'un. Mm-hmm. Tu veux que je vienne avec toi? Oh, c'est pour un recrutement, donc ça va pas être marrant. Ah ouais, ok, ouais, non. Okay. Bah après, je peux déjà m'exercer en tant que futur co-directeur. Oui, bonjour. Nom, prénom, s'il vous plaît. D'accord. Date de naissance. Le permis, le permis. Mm-hmm. Permis. Mm-hmm. Casier judiciaire. En fait, je demande directement le permis, parce que de toute façon, tu demandes le permis, le carte d'identité, c'est la même chose. Mais l'avantage du D'accord. permis, c'est que t'as... Tu vois si le mec a le permis, tout simplement. Tu Ouais, ouais, bah ouais. Pour motivation. vois. Ouais. D'accord. Bon, allez, vous êtes embauché. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est plat, mais bon, ouais. À mon début. Après, en général, j'essaie de converser avec la personne pour voir ce qu'elle va raconter. Ouais, normal. Après, genre, t'essaies de voir d'où elle vient, qui c'est qu'elle est, etc. C'est ça. etc. C'est ça. Quand c'est connu, t'avais pas des cheveux? Si, mais c'était une perruque. Ah, c'était une perruque, ok. À la base, j'ai toujours eu le crâne rasé. J'arrivais à l'aéroport et ils m'ont dit, tu mets une perruque et tu fais pas chier. J'ai dit, ok. T'es moche. Oh, j'ai de merde. Les mecs, ils aiment pas les crânes rasés, quoi. Ok. Oh, ça me fume. Ouais. Bon, allez, hein. C'est reparti, on reprend du service. Yep, yep. Bah, moi, je reviens, je vais voir le gars pour le recrutement. Puis, si. Vas-y, pas de soucis. Bah, je reviens ici. Allez, allez. De toute façon, là, j'ai passé ma à soirée au bureau parce qu'après, il va y avoir les impôts, etc. Ah, jure. Bah, on est dimanche. Hein. Ah, oui, on est dimanche, putain. Oh, tu sais que je te dis, tu sais que ça faisait genre. Je sais pas, genre, un mois, j'avais de la whistle. Ils sont jamais venus me voir. Bon, après, il n'y avait pas grand chose. Hein, mais... Ah, t'es pas imposable, donc, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ils sont jamais venus me voir. C'était trop drôle. Ouais, je sais pas quoi te dire. Bon, allez. Au Et boulot, puis... patron. Allez, à plus tard. Quelqu'un pourrait venir me chercher au poste? Ah, si, pronto. Du coup, je vais chez moi là. D'accord, d'accord. Bah écoute, je descends de mon Chiliad et j'arrive. What? C'est une longue histoire. Ok, tu me diras. On va dire que je me suis fait kidnapper par un mécano du Belize. Ah, d'accord. Non, mais c'est un kidnapping. Ah! Allô? C'est un kidnapping sympa. Et je te l'appelle dans 5 minutes à peu près. Ouais. Allez, j'arrive, mon ouais. ami, ne t'inquiète pas, je me dépêche. Ouais. Enzo, t'es là? Merde, c'est quoi cette histoire? Je sais pas si il est là, Enzo. Il doit sûrement être en pause ou pas.
du monde en service. Ouais, ouais, t'as des collègues en service. Et y'a quelqu'un qui t'appelle depuis tout à l'heure, en radio. Ouais, j'ai eu un souci. Moi, je vais prendre le dispatch, hein, vu que personne ne le prend. Tu veux qu'il m'appelle en radio, du coup? Non, c'est bon, oublie le dispatch, c'était moi. Y'a les flics qui viennent d'arriver, du coup, je vais voir avec eux. Ok, ça marche. Merci quand même. Et du coup, qui c'est qui essaie de me joindre sinon? Ah, je sais pas. Ok, d'accord. Je crois que c'était Gab, j'ai pas reconnu la voix. J'ai la voiture de Tom en plein milieu de la rue, de la route là. Ah. Eh, dis-moi, qui c'est qui a vu mon véhicule? Bah moi. Et bah il est où? Il est à côté de la banque, au bord de la place des cubes. Ok, ça marche, j'arrive, merci. Tom? Ouais, j'arrive. Un véhicule de service là. C'est quoi cette tronche qu'il a là? Bon, il est bien non? Non mais tu travailles pas avec ça. T'as cru que c'était une course de tuning ou quoi? Déjà tout à l'heure, je t'ai vu passer au poste, tu viens prendre en photo quand je t'en parle avec les agents. Tu nous fais un demi-tour sur le trottoir devant tout le monde. Attends, vas-y, j'arrive au dépôt. Pas au dépôt, j'arrive après, mais je note, t'inquiète pas. Ok, ok. Mais normalement, tout est carré, hein. J'ai respecté ce que tu m'as dit, hein. Ah, la photo que j'ai reçue, ça doit pas être la bonne alors, ça m'étonnerait. De quoi? Oh, on verra ça après, attends. De toute façon, quand tu auras après les impôts, au soir, on va faire une petite revue.
pas répondre. Mec, il me casse les couilles le flic parce que je lui ai rentré dedans alors que ma voiture elle a aucun pet et que je l'ai pas touché quoi. Comment ça me casse les couilles ces flics de merde. T'as changé de téléphone toi? Ah non mais le flic il me cassait les couilles du coup. Mais je t'appelle depuis tout à l'heure. Ouais non mais j'ai reçu qu'un appel et comme il me parlait, j'ai pas pu répondre quoi. Ok. Bah... Ouais. Ouais, et fallait m'appeler en fait directement, je serais venu, j'aurais pris la voiture. Bah par rapport à quoi Par rapport à sa voiture, non, à l'autre. Ah. Mais je sais, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai croisé. En fait, je l'ai croisé avant que tu me prennes en photo. Il est passé devant le commissariat et... Je l'ai vu, t'inquiète pas. Ok, parce que moi, déjà l'autre fois, j'ai vu la couleur et je lui ai dit, ouais, elle est bizarre ta couleur, c'est pas la même que Joe. Ouais, il mais... m'a dit, si, tout va bien, mais là, même le capot, il est pas d'origine pour moi, là. Non. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Non. Là, il a une voiture dégueulasse, c'est plus pour taxi driver. En plus, elle est blanc, quoi, donc on n'a pas encore dit que c'était pour enfin, tout de suite, le blanc, si. Ah, non, mais non. Il était pas là quand on en a parlé. Ouais, en plus, ouais, donc. Ouais. Bon. Bah écoute, on verra la réunion de ce soir. Ouais, mais. Il y a des dispatchs là. C'est sûrement lui enlever en fait. De quoi, la voiture? Ouais, ouais. Là, ah. Je l'ai croisé deux fois en ville, il me comme un ouf, et dans le commissariat, il nous fait une manœuvre chelou, il me prend en photo. Ouais, voilà. Chacun son délire, hein. Ouais, moi je vais lui mettre un taquet. Après, j'ai pas le choix, de toute façon. Ah, bien un petit avertissement droit, là, qui est un coup de pression, quoi. Ouais, un petit taquet, quoi, c'est ce que je dis. Surtout que moi, je lui ai déjà dit, hein, je lui ai dit, ouais, c'est bizarre. Bah, ouais, tu ouais. vois, si le gars, moi, je lui dis c'est bizarre, il devrait aller vérifier, et voilà. Non, mais il le sait très bien. Il le sait très bien, c'est juste qu'il a voulu tenter, tu vois. Parce que ça passe ouais, pas. Ouais, bah, je me doute, hein. Ça passe pas. Ok. Bon bah je vais voir pour les dispatchs là, on en a deux je crois. Et puis merci pour la photo en tout cas. Pas de soucis. Et essaie de venir la faire la prochaine fois. Regarde tout ce que je viens de dire. Ah tu veux, ok. Ouais. Bah après c'était juste là comme ça quoi. Ouais j'ai bien compris. Ça marche, bah y'a pas de soucis. Bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Ça va bien? Je préférais que tu me parles pas de ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas facile des fois d'avoir des frères un peu bébêtes. Hein. Des frères? Si, on va dire ça. Il va falloir qu'on dise aux gens aussi d'arrêter de spam les appels de taxi quand ils en font un. S'il est pas pris, c'est qu'il faut attendre un peu, quoi. J'en ai encore un qui a fait ce message, là. Je l'offre radio à 2 minutes, je reviens. Ça roule. Alors j'ai plusieurs petites infos. Alors la première, là j'ai vraiment dit à personne. Tu vois le banquier, le directeur Wolf. Ouais. Ouais. Ah, tu sais qui c'est. En fait si tu veux, moi ça fait un moment que je suis client chez eux et j'ai jamais de soucis avec toi. Et il y a pas longtemps, un jour, il est venu me voir, il me dit ouais, vous êtes un bon client, nanana, client prestige, machin, on vous passe votre livret en illimité. Excuse-moi, j'y connais rien, moi, des banques, qu'est-ce que ça veut dire, livret illimité? En gros, le livret et le livret A, quand tu places ton argent dessus, tu peux placer 200 000 dessus. Et 200 000, ça te fait 2000 1000 par jour. On est d'accord. Et en gros... si, seulement. Et en gros... Là, du coup, on est limité, c'est que si tu places 1 million, ça te fait 10 000 par jour. C'est ça. C'est ça. Bon, après, j'en suis loin de tout ça, mais bon. C'est pour te dire. Si t'arrives à être un bon client... Peut-être qu'il peut te faire ça. Mais je suis pas le seul à qui c'est comme ça, mais on n'est pas beaucoup. Je pense pas qu'on soit beaucoup. On doit être très peu.
C'est juste pour ça, tu vois. Je me suis dit peut-être que. Ça, c'est intéressant, ça, c'est vrai. T'arrives à être bon client avec lui, enfin, je sais pas, faut... Vu que t'es patron de l'entreprise de. Saving. Non, c'est pas toi? Officiellement, non, pas du tout. Ok. Ouais, bah, c'est comme si, quoi. Enfin, t'as compris, quoi. C'est... Alors, la deuxième info, hier, quand j'étais avec Calogero ici, à un moment, on discutait, et d'un seul coup, on voit deux petits camions, noir-rouge mat, noir-nacré-rouge, sur l'autoroute, qui foncent, qui prennent la première bretelle qui est juste devant nous, là, et qui foncent, vers l'autoroute, là-bas. Bon, on... Il y en a un, le deuxième, en fait, il s'est raté, il s'est pris le muret, et j'ai eu le temps de le prendre en photo. T'as la photo de ça? Ouais. Je suis impatient que tu me l'envoies. Ah, oui, oui. Après, on voit pas la plaque, hein, mais on voit clairement le camion dommage. Éclaté contre le rebord là-bas. Et... Ils étaient vraiment pressés, les mecs. C'est... Ça traçait, hein. Ça traçait fort. Et... C'était quoi l'autre info, là, je me souviens plus. Plutôt commercial, je crois. Non, la commerciale, c'était par rapport à la banque. Ok. Il y avait une info importante, tu m'avais dit, je crois, par mail. Ah, je viens de recruter un des Arméniens, là. Un taxi. Ils ont lâché Louis Al, c'est. Et il m'a dit que. Encore un nom, d'accord. Il m'a dit qu'il était quasiment sûr que c'est Quincy Harper qui va avoir le. Le visage, parce que c'est le copain de monsieur le procureur, et que malgré le fait que les mecs ils fassent du détournement de fonds et qu'ils prennent les factures dans les poches, c'est quand même lui qui en prenait plein la gueule, quoi. Donc il s'est dit, moi j'en ai marre, démerdez-vous avec votre visage, puis il s'est barré, il est revenu au taxi. Il en a eu marre. Et... En fait, tu as essayé mon petit cadeau? Ah oui, bah et... ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Bah, il est enrayé le truc. T'as enlevé la sécurité au moins avant d'essayer? Bah, attends, viens, on va à l'intérieur. Bah, attends, je finis ta clope. Oh, c'est pas grave, tout ça. Ta merde, il marche pas. Alors, ça, je sais pas m'en servir. Ça, je sais pas m'en servir. Toi, de toute façon, je vais te l'enfiler. J'ai pas besoin. Bah. Mais j'ai te filé des sauts, du coup. Attends. Entrez. Ouvre la porte. Sans mes clés. Merde, le con. Hop là, je ferme derrière, on sait jamais. Alors attends. J'en ai un sacré bazar là-dedans. Alors si jamais t'as besoin de kit de réparation, j'en ai 112. Je sais pas comment faire. Si. Alors moi je préfère toujours aller genre chez les garagistes, j'ai l'impression ouais, bah, que... pareil, c'est pour ça qu'à chaque fois que je récupère, je la mets là, mais je m'en sors pas. Bah ouais. Tiens. Tu l'aimes bien avec toutes les balles, hein? Ah oui. Ok, je vais voir, c'est bizarre. Ah ouais, exact. Ah putain, la gâchette elle est bloquée. Ah fais chier, putain. Ah donc c'est moi qui suis pas fou. Ah, je suis désolé. Ah c'est pas grave. Bon. J'ai dû passer des... Putain, moi aussi, j'ai des poignons de partout sur moi. Et tu sais que hier soir, ouais, du coup, avec l'histoire des motos... C'est... Avec l'histoire des motos, il y a un des employés qui allait se plaindre au keuf, et du coup, je vais convoquer. Mais... Tu sais, par rapport à ça, je pense que... N'hésite pas à prendre... On va en parler avec Calogero et on va voir si quelqu'un pour on pourrait trouver quelqu'un, tu vois, qui
Toi, tu dis c'est juste ton garde du corps, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, lui, voilà. Il travaillera pour nous. Et... Exactement. Mais d'un autre côté aussi, pour ne pas trop éveiller les soupçons, je me disais, c'est vrai que ce serait pas plus mal si tu allais parler à la police. Parce qu'en soi, comment te dire ? Ouais, ça peut attirer... Un petit patron de taxi comme toi, forcément, tu vois qu'il est... il va être exposé. Et je me disais, ce serait louche si tu ne viendrais pas, tu vois, te plaindre à la police. La police, ils vont dire, s'il ne vient pas se plaindre à nous, à qui va se plaindre ? Justement, j'y suis allé tout à l'heure, je suis allé les voir, j'aurais dit l'employé qui allait se plaindre et tout, machin, je vais voir un policier hier soir, mais j'ai pas le temps, c'était trop tard. Et ils m'ont dit, on va vous convoquer dans la journée. Ouais, si, c'est bien de faire comme ça, parce que sinon, c'est la merde, quoi. Enfin, t'as compris. J'avais pensé à la même chose que toi, parce que si je m'en plains pas et que ça part plus loin, ils vont commencer à se douter de quelque chose. Mais si. Ouais, j'y pense. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, t'es parmi un des derniers chefs d'entreprise à ne pas baigner dans la criminalité, tu vois. Bah non, ouais, c'est ça. Mais... Bon, à part si Quincy, Alper, devient le nouveau patron du Weasel, mais bon. Ouais. Tu sais s'il est là, s'il est réveillé en ce moment ? Ah, je sais pas, de toute façon, il répondra pas. Il m'a envoyé chier. Je l'ai envoyé chier, il m'a bloqué de partout, enfin, tu vois. Et même si je lui envoie un message ici, il répondra jamais. Très bien. J'essaye même pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Meilleur Gabriel, le gars qui était censé être vice-gouverneur avec moi, il abandonne. Il a complètement pété un plomb. Il a un bracelet électronique. T'as besoin de pastilles, toi? Non, non, non. Hein? Mais j'écrivais en même temps un petit mail, excusez. Pas de soucis. Du coup, je l'écrivais dans ma poche, mais bref. Du coup, je me retrouve tout seul à devoir à me présenter à gauche. Y'a quoi d'autre C'est quoi l'histoire? Attends. Bah écoute, réfléchis-y parce que moi, je vais devoir passer un petit coup de fil. Ah, vas-y, vas-y. Vite fait. Ah, c'était quoi le truc déjà? Je me souviens plus. Oh putain. Il y a tellement d'un coup aussi. Oh, tant pis. Où est-ce que je notais?
my bitch explosions. Kill a nigga, quiet, no commotion. Really rich with no promotion. Really rich. Why sell a bitch, we loaded. Schlick. Vibe with some views of the ocean. Driving the coupe like it's stolen. Sky. East or the west, I'm just coasting. Just coasting. Ease all the stress with the potions. We Gucci, we Fendi. Yes, thirsty. Yes, thirsty. I feel just like Kobe. Yes, thirsty. Yes, we litty, we awesome, we great. They hate a lot. Don't do it in my face. I see you, I slice you, I chop you. Just like a pair of Huggies, I put guns on your head just like I gave you another. I know drug dealers that was rich and now they turn to a drug dealer. All in all, no complaints because I beat the odds.
la soirée ce soir, au pire. Ouais, je te dirai. Si, c'est pas pressé, c'était juste pour savoir s'il y avait une réunion, tout ça, pour voir. Comme tous les dimanches, quoi, toi. Oui, on va en faire une, de toute façon, mais là, tout de suite, maintenant, je sais pas encore à quelle heure. Oh, bah, va bene, tiens-moi au courant, ok? Allez, ciao, ciao. Ok. Allez. À plus tard. Ça va, mon ami? T'en sors? C'est bon, j'ai fini mes mails. Ok. Ah, tu connais ces vieux spams là? Vous voulez voir grandir votre pénis, tout ça? Je suis obligé à chaque fois de les renvoyer chier, quoi. Ça me regarde pas. Ah oui, quand même, c'est un peu pour ça. Excellent. Incroyable. Ouais, bon. Bon, bref. Du coup, tu as trouvé d'autres infos? Non, mais non, il y avait que cela en fait. Et l'autre, je sais plus. C'est pas un truc important. Si je me souviens plus, c'est pas important. Non, j'ai plus en tête. Ah, si, Tris Rice. Si, je l'ai croisé hier soir. Ouais. Bah, elle a vraiment le mort contre Clinton. Michael. Ouais. Genre vraiment, parce que à chaque fois je le croise, il me parle de le tuer. Donc... Ah ouais. Attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Putain. Si, bonne journée mon ami, comment ça va? Ça va. Quoi? Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi tu me parles mal comme ça? Putain. Si. J'aime bien Game of Thrones. Si, je suis à l'hôpital. Bon, bref, Salval, tu vas me casser la tête pendant longtemps avec mon jumeau maléfique? Et c'est pas Mathieu, c'est moi. Non, c'est moi. Mais si tu veux, appelle Mathieu, tu verras que c'est pas lui. Hein. Ok, bah allez, ciao, ça va. C'est étrange. J'en peux plus. C'est pas facile. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise encore? Des bêtises de branleur, mais vraiment de gros branleurs. Bref, bon. C'est tout ce que t'as fait. On peut y aller. Je dois aller récupérer. Si? Ouais, t'as repris le truc rayé, enrayé. Et... Ah, regarde, attends, faut que je te montre celui-là. Quoi? C'est quoi ça? Ah non. Mais non, mais j'ai pas pris ça, moi. J'ai acheté un Colt 357 Magnum. Ah, bah attends. Ah si, c'est bon, il est dans mon coffre. C'est moi qui suis allé. Tu veux voir? Ça c'est un MK2, mais c'est des pistolets qui sont déclarés. Ouais, et fais voir le 357 Magnum. Il est dans le coffre. Franchement, il me plaît, hein, mais bon, j'évite de trop le sortir parce que j'ai pas envie de le perdre. Ah! Du coup, ça y est, ils honorent le CD nouveau. C'est vrai qu'il est calé, mon classe. Il y a longtemps que je l'ai. Ben. Ah oui, oui, tu l'as pas acheté récemment. Ah non, c'est quand j'ai passé mon PPA, j'ai acheté celui-là et le MK2.
Bah, sache que visiblement, il se trouve plus dans le commerce actuellement. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, j'ai le même. Et je peux te dire que je vais le garder, celui-là. Je le garde au chaud, en fait. Ah, c'est... Il est très efficace. Un peu lent, mais très, très efficace. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Je vais le garder sur moi, tu vois. Comme disent les soldats, c'est une balle à molle. Ouais, je vois. Intéressant. Bon, je vais le ranger. Bon, vas-y, je vais t'ouvrir la porte. Bon, bah, c'était drôle, hein. Écoute. Si, c'était fait, normal, c'est. Vas-y, c'est ouvert. Oula. Bon. Ouais. Donc là, c'est mon ami. À mon avis, pour